if you say this is pop. To be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular? Eh bien, bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel pardon, consacré à Cinéma 4D. Donc, dans un premier temps, je voudrais remercier les personnes qui ont mis des commentaires sur le test intro. Alors, juste pour répondre, il est vrai que c'est une intro basique, mais en fin de compte, j'ai voulu faire une intro donc, pour les débutants qui soit simple à réaliser, avec un effet studio, quelque chose de sympa, qui soit pas trop longue au temps de rendu, et puis qui change un peu de tout ce qu'on voit avec Trozy, etc. Voilà, voilà. Mais en tous les cas, je remercie les personnes d'avoir mis les commentaires, parce que ça aide à avancer sur le travail que l'on fait. Voilà, donc merci à vous. Deuxième petit truc, donc là, comme c'est une intro pour les débutants, je pense qu'elle va se faire en deux parties. Et nous allons commencer par la première partie où je vais expliquer les paramètres de rendu pour avoir quelque chose de fluide. Donc on va ouvrir Cinéma 4D, voilà comme ceci. Lorsque vous avez ouvert Cinéma 4D, vous avez votre réglage de projet et tout qui est affiché là, à droite. Dans IPS, ici, vous êtes à 29,5 je crois. Vous allez vous mettre à 25, ici. Ensuite, nous allons passer ici, donc dans les paramètres de rendu, où là, en sortie, donc, film vidéo, et on va sélectionner celui-ci, HDTV 720-25. Voilà. Pour le reste, on ne touche pas. Toutes les images, ça ne change rien. Ensuite, on va aller dans enregistrer. Donc là, vous enregistrez le projet... où vous le voulez. Au niveau du format, alors moi je prends tout le temps QuickTime parce que niveau de la qualité c'est nettement mieux, ça a rien à voir avec Mac ou PC. Hein. QuickTime est lu par VLC aussi, donc moi je vous conseille de prendre QuickTime. Après ici vous avez option, vous cliquez sur option. Ici vous laissez animation, ici image seconde, vous venez à 25 images secondes. À la place de 29,5, d'après mes souvenirs. Et ici, dans l'image clé chaque, vous mettez pareil 25 images. Ensuite, qualité optimale. Et voilà. Dans multipass, on ne touche pas. Dans anti-aliasing, là, j'ai changé légèrement la chose. Donc, c'est tout bête. J'ai baissé. J'ai mis 1x1 et 2x2. Mais ça n'enlève rien à la qualité d'image. Mais c'est pour que le temps de rendu ne soit pas trop long. Voilà. Donc là, on est bon pour les paramètres de rendu. Voilà, voilà. Ensuite, donc, nous allons créer ce que j'appelle la scène. La scène. Donc on va créer tout d'abord un cube. On va replacer juste pile poil. On va, donc faut pas avoir peur de l'agrandir. Comme ceci. On va à nouveau donc l'élargir. Voilà. On va le monter en hauteur. On va reculer un peu pour voir un petit peu ce qu'on fait. Là, on agrandit. Il faut partir dans l'esprit de faire une scène. Donc une scène, c'est... Voilà, il faut que je la voie, ma scène. Hop là. Voilà. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, on va renommer en cliquant deux fois sur cube. On va l'appeler scène. Comme ça on sait tout de suite ce que c'est. On va l'éditer. Alors, vous appuyez sur la touche chez du clavier ou sur les deux petites planètes ici, c'est strictement pareil. Ensuite, on va venir ici dans le mode face. Et dans le mode face, donc on va cliquer ici. On va appuyer sur Shift. Et en restant appuyé sur Shift, on va cliquer sur celle du haut, celle de droite et celle de gauche. Et ensuite, on va faire supprime avec la touche du clavier. Donc là, on commence à obtenir notre plan qui va nous servir de scène. Là, on s'aperçoit que si on fait un rendu, on a quelque chose de très très carré. Donc on va améliorer un petit peu ça. On va
prendre ici donc la sélection par arête. On va sélectionner bien sûr la scène. On va sélectionner cette arête-ci. On va faire un clic droit. On va faire biseauter. Et en se mettant sur la ligne, sur l'arête, pardon. On va tirer légèrement sur mon clic en gauche. On peut obtenir ceci. Voilà. Ensuite, dans subdivision, on va l'augmenter pour avoir quelque chose de propre. Voilà, 25, 25, 30, c'est bien. 30, c'est pas mal. Là, si je veux un aperçu, vous voyez, j'ai plus un carré et clac, clac. Ça fait un. Là. Donc là, on va se mettre en position ici sur notre scène. Voilà, donc on a notre scène de travail. Comme ceci. Voilà, on va revenir sur nos outils de départ. Ensuite, nous allons créer donc la lumière. La lumière d'au-dessus. Donc pour ce faire, on va prendre à nouveau un cube. Apporter. Par le cube, moi j'ai déjà fait mes. J'ai déjà préparé mes dimensions. Donc c'est 1576 en X. Pardon, Y 164 et en taille Z 907. Voilà. Alors surtout ce qui est important dans ce tuto, entre guillemets, c'est de bien respecter au niveau des pourcentages. Après, au niveau de la dimension, vous faites ce que vous voulez, mais au niveau des pourcentages que je vous donne, au niveau de la lumière, au niveau des textures, respectez bien ça parce que plus vous allez alourdir, bah, plus ça sera long. Voilà, tout simplement. Donc après, vous mettez les couleurs que vous voulez, ce que vous voulez, mais essayez de respecter, si vous voulez pas que ça soit trop long, surtout si vous commencez sur Cinema 4D, essayez de bien respecter les pourcentages que je vais vous donner. Une fois que ce cube est fait, on va à nouveau appuyer sur la touche C du clavier pour l'éditer, comme ceci. On va lui faire une rotation. Hop là. Comme ça. On va sélectionner à nouveau le mode face, ici. On va revenir sélectionner notre outil ici. Excusez-moi. Voilà. Donc désolé pour la coupure, mais le téléphone qui sonne en même temps. Donc une fois qu'on a sélectionné notre face, ici on va sur le mode face, on sélectionne notre face, on fait un clic droit, on fait extrusion, ici. Là on se met bien, on clique gauche et on enfonce simplement le. Alors pas trop, faut pas que ça ressorte derrière, hein. L'intérieur du cube. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. On va se remettre en position. Voilà. On va le remettre en rotation normale. Donc ici, on va mettre 0 pour aller plus vite. Hop. Comme ceci. Donc ça, le cube tout de suite, on va l'appeler couvercle. Ensuite, donc pour la lumière, nous allons créer un autre cube que nous allons monter ici à l'intérieur de celui-ci. Nous allons agrandir de la taille de celui qui est déjà fait. Nous allons l'élargir également. Alors pas trop, faut que ça reste à l'intérieur comme ceci. Voilà. Oui, comme ceci, bien sûr, oui, je suis complètement à l'ouest. Voilà, hop, on va regarder un petit peu là. Alors, on va le rétrécir un peu. On va le monter. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Voilà, vous le mettez bien à l'intérieur. Alors, pour passer en 4 vues, vous appuyez sur la molette de la souris, sinon sur la petite fenêtre qui est ici. Je pense que tout le monde a des molettes. Donc on va regarder le cube, voilà. Il est placé. On va le mettre bien centré au milieu. Voilà. Ici on est comment? Donc on va le réduire. Hop là, pas trop non plus. On va le réduire pour pas qu'il dépasse. Voilà. Hop là. On va voir ça. Encore un petit peu.
Voilà, on va le redescendre un petit peu, juste. Ouais. Voilà, on se sert de la 4 vues pour régler. Et là, ce coup-ci, on n'est pas trop mal. On va l'élargir un petit peu, de façon à ce qu'il reste dans l'axe. Voilà, on est bien. On revient sur notre vue. Sur notre vue pour notre lumière, que nous allons déplacer ensuite. Donc, ceci, moi je vais le. Déjà, pardon. Donc, déjà, on va l'éditer, donc toucher. On va la renommer. Je vais appeler ça, pardon, lumière haute. Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, donc, on va prendre donc ici une lumière. On va prendre un éclairage de surface. Voilà, comme ceci. Et on va cliquer sur éclairage de surface. Donc ici, dans détail. Donc on va faire ombre. On va faire masque d'ombre. Diffuse, voilà. Ensuite, on va passer dans détail et dans détail, donc ici à surface, on va changer, on va prendre objet spline comme ceci. Ensuite, dans objet, et ben on va faire glisser ici notre cube. Alors, s'il n'est pas édité, ça fonctionnera pas. Hein. Lumière haute qu'on vient faire glisser dedans. D'accord. Ensuite, on va descendre encore un petit peu. On va faire afficher au rendu. On clique. Afficher dans les réflexions. On clique à nouveau. Ici, on va monter à 200%. Voilà. Là, on est bien. Généralité, on va même mettre 110%. Pas trop non plus. Voilà. Et là, si je fais un aperçu, donc on va pas s'apercevoir, voilà, qu'on a notre lumière créée par rapport à notre scène. Ensuite, donc, on va regrouper ces trois objets. Donc, on va faire, on les entoure, ou alors on fait shift, on sélectionne le premier, on fait shift et jusqu'au dernier, on fait un clic droit et ici on fait regrouper les objets. Et on va le renommer lumière haute. Après, vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite, donc, on va cliquer sur lumière haute. On va donc placer cette lumière. Donc, on va la monter ici. On va la rapprocher un petit peu ici. Et on va la monter à nouveau ici. Voilà. On va venir se replacer sur notre scène correctement. Hop là. Voilà. Comme ceci. Approximatif, hein. Ensuite, bah, pour vous faire voir déjà, donc on va, non pas un cube, mais on va juste mettre une sphère pour déjà vous faire voir tout de suite qu'on va agrandir comme ça pour vous faire voir. Et là, vous voyez tout de suite, voilà, on obtient un effet qui est quand même assez sympa. Et vous voyez, le temps de rendu est très rapide. Voilà, donc on va supprimer cette sphère puisqu'on n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, on va créer donc. Les deux lumières de côté. Les deux lumières, donc là c'est tout bête, hein. On va faire un dupliqué de la lumière haute, tout simplement. Donc pour la lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va reculer à nouveau. On va prendre la lumière haute, on clique dessus. Ensuite, on reste appuyé sur CTRL, on clique sur lumière haute et on descend légèrement en dessous. Et tout de suite, on va la renommer, on va l'appeler. Lumière droite. Voilà. Donc une fois qu'on a renommé notre lumière, on va la déplacer. On va la descendre. On va lui faire une rotation dans un premier temps. Comme ceci. Dans un deuxième temps, comme ceci. Voilà, on va bien la placer et ensuite on va la placer donc au niveau de notre. J'ai bougé l'axe. Alors on va rattraper ça. J'ai bougé l'axe. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais l'axe il est complètement parti. Voilà, voyons voir. Ça va être beaucoup plus facile pour travailler. Voilà. Donc si vous bougez l'axe, vous appuyez ici. Vous cliquez ici, ensuite vous remettez l'axe
là où vous le voulez, hein, là où il est mieux placé. Et vous revenez ici donc pour pouvoir à nouveau travailler sur vos objets. On s'aperçoit qu'au niveau de la rotation, on n'est pas bien. On essaie de se mettre droit. Voilà, comme ceci. On avance jusqu'à la limite là. C'est très bien. Ensuite, nous allons sélectionner donc cet outil-là, qui est l'outil pour agrandir. On va prendre donc sur la flèche jaune. On va l'agrandir, on va le replacer à nouveau. Voilà, on s'aperçoit qu'il a bougé parce que là que c'est pas bon. Donc on le replace hein, manuellement, c'est pas bien grave. Voilà. Hop, là je pense que ça suffit. Ah, on va même lui faire une petite rotation pour le mettre droit. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va prendre la lumière droite, donc on va à nouveau dupliquer. Donc contrôle, on clique, on descend légèrement en dessous. Voilà, on va l'appeler gauche. Tout simplement, lumière gauche. Voilà. On va prendre l'outil de sélection. On va déplacer notre lumière donc de l'autre côté. On va lui faire une rotation de façon à l'avoir. Même position, voilà. Nous allons la remonter un petit peu, la repousser un petit peu, comme pour l'autre, ne pas la coller derrière l'arête. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on revient à peu près ici. Voilà. Hop, on va se remettre qu'elle est à peu près bien. Et là. On a notre scène de base donc, qui prend forme. Bon, là, vous voyez, si je prends une sphère ici, on paraît que tout à l'heure que je vais agrandir, hop là, vous allez voir que on obtient quand même quelque chose de super sympa avec les deux lumières qui fonctionnent sur la sphère plus celle du dessus. Voilà, on obtient ce qu'on appelle un effet studio. Voilà, on va supprimer. Donc cette sphère, on n'en a pas besoin, pardon. Et pour finir, donc, tout ce qui est scène et décor, nous allons créer donc un arrière-plan. Voilà, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, on va lui ajouter une couleur. Une fois qu'on a fait ça, on aura encore une lumière à mettre et qu'on mettra en dernier. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne tout. Voilà, en cliquant gauche et en entourant. On clique droit, grouper les objets. On le renomme, on va appeler ça décor. Voilà. Donc là, nous avons tout ce qui est le décor qui est en place. Alors, une fois que l'on a placé notre scène, on a placé notre décor, on va déjà créer donc la texture pour les lumières. Ça sera fait. Donc pour les lumières, on va cliquer deux fois dans la fenêtre du bas. On va venir cliquer ici. Au niveau de la couleur. Donc, nous allons prendre une couleur noire. Voilà. Nous allons lui mettre une réflexion. Donc, on va mettre 50%, comme ceci. Et on va lui mettre une spécularité. Alors, attention à la spécularité, c'est pareil, il ne faut pas en abuser parce que ça charge vachement les temps de rendu. Voilà, à 74%, on est bien. Alors ensuite, on ferme tout ça. On va prendre notre texture, donc on va déplier nos lumières. On va prendre notre texture qu'on va appliquer à nos couvercles, tout simplement. Ici, là, on reprend la texture à nouveau, on clique, on glisse jusqu'au couvercle. Voilà, ce qui fait que là, au niveau du rendu, on obtient un effet déjà de quelque chose de sympa au niveau des couvercles, puisqu'il y a un petit peu de réflexion, etc. Donc vous voyez, voilà, ça permet de prendre un truc neutre. Alors, voilà. Alors ensuite, nous allons donc arrêter là pour la première partie.
Dans la deuxième partie, nous allons voir donc comment faire la sphère, le texte, l'explosion et tout le poutine. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la seconde partie du tuto.